Alomba, Wakiti, Onu Kimese, and Mese, Ne Yalango, Urumi, the Somunango in Ponda Suzulula, who went up some bale, the Yalango in Bale, when I'm so excited to be with Abele, my Ben Babatu, but it's so I tell my son, Alomba, Nay Yalawan of so, Yalemu, so, Yasangi said so, Yapai said so, Munango Suluwa. Le peuple noir des temps d'autrefois dans l'Afrique ancestrale fut sous l'emprise de Satan, le Mundima Bobé, des Namuloloma déchus, connus en cette époque sous le nom d'anges déchus, ainsi que des Mengu sirènes des eaux, Mamiwata, et des démons de toute race, à cause de leur manque de connaissances, à cause de leur rébellion. Il perdit ainsi la considération de Loba par son verbe. Et durant la menace maléfique, durant les captivités mentales, intellectuelles, morales et spirituelles, ils réclamèrent ainsi secours en appelant Loba à travers la manifestation de sa divine puissance. Loba, par la manifestation de sa grâce, suscita des prophètes, messagers, patriarches, matriarches, afin de leur extirper de cette captivité ténébreuse, pour leur ramener à la gloire de la lumière initiale, en ce siècle-ci du visible, à cette époque de cette réalité. Loba, par la manifestation de sa volonté, vous a encore une fois de plus fait un don exceptionnel d'un enseignant remarquable, afin que je puisse renverser avec autorité divine tout fondement religieux, en les exposant ouvertement en public, en œuvrant ainsi avec Adam désir. Cependant, voici le chef d'œuvre de délivrance du peuple noir en face de vous. Cette voix que vous entendez, cet enseignant que Loba a suscité, l'apparition du nom de Sulula Sans. Ici, nous vous présentons le récit véritable de Koudoumane Moula, le vrai Christ, sans faute ni motif impur. Ses véritables discours avec ses apôtres, ses véritables paroles avec ses contradicteurs, son vrai nom, toutes les explications de ses paraboles, de ses conversations. Soyez disposés. L'homme